plus belle connerie. Eh oui, oui. Et pour la prochaine catégorie, on n'a pas hésité un instant à les choisir. Je vous demande d'accueillir Claude Pellet et Thierry Plouzenec pour le Gérard de la meilleure comédie. On peut changer. Écoute, on nous a demandé de remettre le Gérard de la meilleure connerie. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est un honneur. C'est pas évident de bien réussir une connerie. C'est fort quand même. Donc dans la catégorie plus belle connerie, les nommés sont... Je vais en chausson à l'Arsenal. Je vais jouer au foot complètement cuit avec les Bretons de Paris tous les dimanches pendant 5 ans. Voilà. Ouais, et encore pas beaucoup de sportifs. Et je tourne une vidéo de moi et mes potes bourrés en Irlande pour dire à nos femmes qu'on les aime. Tout va bien et tout risque d'aller mieux demain. Pascal, je t'aime. Pascal, je me suis planté. Ma chérie, je t'aime aussi. T'as madame ? Tout le monde ! Marie-Pierre, je regrette que tu ne sois pas avec nous. T'as oublié le thé ? Enfin, ça va bien entre nous. Hein. Pour le reste... Le sucre, comment on fait ? Le reste, c'est un peu du folklore. Red Chili Peppers, tu connais ça ? Oui. T'as madame ? Tout le monde ! Mais on est bien entre nous aussi. C'est 95 C ou D. Oui. Deux. C'est un deuxième point dessus. Après, il y a trois points dessus, quatre points dessus, cinq points dessus. Des grandes pans, quoi. Le romantisme est mort depuis longtemps. Et... T'as mal homme ? Tout le monde ! Chérie, je t'adore. Mec, quand tu avances, je t'aime. C'est un deuxième point dessus. Après, il y a trois points dessus, quatre points dessus, cinq points dessus, cinq... Je m'assois au fond de l'église avec mes potes au mariage de Chouan. On fout le bordel. À la fin de la cérémonie, le curé fait un sermon disant que certains jeunes n'ont pas été très respectueux. Pendant des années, quand on part en vacances, on n'oublie jamais d'envoyer une petite carte postale au curé de Plogoff en souvenir de ce jour. Et donc, l'enveloppe, messieurs ? Vous voulez les résultats ? Sous votre huissier. D'accord. Et donc, petit souci, mais bon. Gérard, n'était pas avec moi. Voilà, voilà. Alors, donc, le Gérard de la plus belle connerie est attribué à... Je tourne une vidéo de moi et mes potes bourrés en Irlande pour dire à nos femmes qu'on les aime. Qui m'avait cherché ce prix ? Oui, la belle oh oui, le prix. Vous pouvez lui remettre. Ah, je vois que Thierry fait une drôle de tête. Apparemment, il n'était pas sincère dans sa femme qui venait sur le plateau. Je sens qu'il est déstabilisé. Merci à tous pour ce prix que je me permets de venir chercher parce que je détiens la vidéo. Ah, là, la vidéo. Et qu'il se trouve que mon cher mari faisait partie de l'équipe. D'où la tête. Et vous, ma bonne Pascal, t'es une épouse modèle. Mais si, t'as toutes les qualités. Et physiquement, t'es restée comme je pouvais l'espérer. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, bien je crois que je t'épouserai à nouveau. Oh. Mais tu m'emmerdes. Tu es une épouse modèle. Si, si, tu n'as que des qualités. Physiquement, tu es restée telle que je pouvais l'espérer. Nos soirées sans la lavande. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tiens, même si c'était à refaire, je crois bien que je t'épouserai à nouveau. Et tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes, gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. Si la connerie était remboursée par la CIS, par la sécurité sociale, tu finirais sur la paille. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.